Au Conseil national de transition CNT, on a parlé collaboration entre le système des Nations Unies et l'organe consultatif de la transition. C'était au cours d'une audience accordée par le président du CNT, Mounina Cherifsi, aux représentants résidents du programme des Nations Unies pour le développement au Burkina. Les propos de Pascal Correra, accueillis par Oumarou Mormenga. Je voudrais d'abord féliciter le peuple burkinabé pour la façon exemplaire dont ils sont rapidement arrivés à trouver un consensus pour organiser la transition et de se doter des institutions. Et je suis venu présenter mes félicitations à son Excellence le président du Conseil national de transition et évoquer avec lui la collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement et avec le système des Nations Unies dans son ensemble pour la coopération avec son institution. Nous avions déjà une coopération avec le Parlement et nous avons discuté ensemble de comment reprendre cette coopération et naturellement en tenant compte de certains besoins nouveaux qui sont apparus, tant sur le plan de la logistique et de l'équipement que sur le plan de renforcement des capacités, puisqu'il y a de nouveaux entrants. Ce n'est plus l'ancien Parlement, mais c'est des nouvelles personnes qui sont au Conseil national de transition. Donc il est question de reprendre certaines des formations qui avaient été dispensées pour permettre aux membres du Conseil national de transition de s'acquitter de leurs fonctions durant cette période très importante de la transition.